أرجع على مدرستي. بيت فجر السنوبيه الدواعش. بيت نتفجر. إن ذي بالي بالريا يا وتوين. كباك ذي بوما. لكني ذاك كوسا إذا سكزنجيني كوسا بيسا. كنا عطلنا بالبلم كان في موج كتير صار المي طلع وشنا عبتنا ما يعني نزلنا كنا نصيح كتير يعني ده يلف فينا البلم هيك يعود. Lo que pido es que se mejore, que sea justo la ley para uno y para otro. It's sometimes hard for us to imagine how challenging the world can be for some children. Il n'y a jamais eu autant de populations nécessiteuses d'un soutien humanitaire. Children who have to migrate alone, children who are fleeing from armed conflict, children who are trying to feed their own parents because their parents are not allowed to or not able to work. Children grow up in very, very challenging conditions. يعني كثير يعني لما تحس انه ولد صغير هو المسؤول عنك وبيجيب المصاري يعني انا بحس فعلا اني انا صغيره قدامه. They are looking for to be protected as well, to be respected, to be understood as a human being, and we are trying to respond to these needs. كانت عايشة بعز بعد ذاك الدار صارت فقيرة أقصد بالفقر مو فقر الأموال الفقر أترك بيت أشيل طيره ما رايت قصر ما رايت أرجع البيت على حصيري. Nous on travaille sous des besoins qui sont souvent des besoins oubliés. Et les plus marginalisés au niveau de l'agenda politique. On travaille sur la protection de l'enfance. Dans le débat politique, malheureusement, les enfants n'ont pas un poids très important. Ils ne votent pas, ils ne sont pas dans les enjeux économiques. La force de terre des hommes, pour moi, c'est la connaissance qu'on a en protection de l'enfance. C'est la reconnaissance internationale qu'on peut avoir sur la politique de sauvegarde de l'enfant. Le plaidoyer, c'est amener à un niveau national des questions qui vont avoir un impact direct sur la vie des enfants, sur le respect de leurs droits et pour leur donner des perspectives d'avenir. Pouvoir quotidiennement apporter une contribution, même modeste, pour permettre à des enfants de mieux vivre leur vie d'enfant, c'est ma motivation quotidienne depuis 30 ans. Les domaines d'intervention de Terre des Hommes sont choisis en tenant compte de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est notre expérience, notre expertise. On a plus de 55 ans d'histoire, on a développé tout un set de compétences qu'on peut mettre au service des enfants. Le deuxième paramètre, c'est de vérifier quels sont les besoins des enfants et l'évolution de ces besoins, ce qui va nous permettre d'aller là où l'enfant a besoin de nous le plus. That can be after natural disasters or in the case of conflicts, we try to get to the places where the children and their families need us most. Into a particular area to help and then to pull out a week later. What we do is sustainable, it's durable, we stay there for the long term and try to make systemic change. On
faudrait avoir des standards d'intervention, des manières de travailler. Et l'innovation, c'est de changer. C'est soit d'améliorer, bien sûr, quand on est dans l'innovation incrémentale, d'améliorer constamment ces pratiques et ces solutions qu'on a trouvées, en fait. Soit, c'est d'être complètement disruptif et c'est d'arriver avec une approche qui est complètement différente. Aujourd'hui, Terre des Hommes, c'est près de 2000 collaborateurs sur le terrain, près de 38 pays d'intervention, et puis 3 millions de personnes, enfants et leurs familles, auxquelles nous apportons du soutien et dont on peut dire que les conditions de vie ont été améliorées par notre intervention. يعني فرحة ما تنوصف حقيقة اللي صار أكثر من سنتين أنا مفارقهم طبعاً. لبعد the same time ني باي تأكلين إذا جسدي أمين أم توتو. كني سافر يعني سيدي يعني أمي سيدي أتو Plus de 90% des personnes qui travaillent chez Terre des Hommes sont des personnes qui viennent des contextes dans lesquels on intervient. Donc ce sont les personnes qui savent le mieux quels sont les besoins des enfants et qui sont les plus proches pour pouvoir apporter les solutions les plus adaptées. When Terre des Hommes started out, nobody was paid for their work. They were all volunteers. So volunteering is really part of our DNA. And our volunteers today are still enormously important to us, and we're very, very grateful for all the time they put in. There are 2,000 people, more than 2,000 around Switzerland, who invest their time and their energy to spread the word about the work we're doing and to raise money for Terre des Hommes. Moi, j'ai commencé par la marche de l'espoir ou par des ateliers bénévoles, juste en vendant une orange ou un paquet de mouchoirs. Ça a été un enrichissement extraordinaire sur le plan humain. Tout le travail fourni en tant que bénévole, au final, c'est une récompense. Quand on voit ce qui se passe ailleurs et ce qui se passe de dramatique à côté ou plus loin, c'est une question universelle. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors nous avons mené une réflexion pour savoir au fond qu'est-ce qui nous porte, qu'est-ce qui nous stimule, qu'est-ce qui nous anime. On l'a fait en définissant quatre mots qui sont nos quatre valeurs, qui sont le courage, l'ambition, le respect et l'engagement. Je suis certain que ça nous donne beaucoup d'énergie pour faire notre travail. Plus on va s'occuper de ces jeunes, plus ils vont prendre leur destin en main, puisque c'est ça le but ultime, c'est qu'eux-mêmes puissent prendre leur destin en main, peser, y compris sur les décisions politiques de leur propre pays, parce que c'est eux qui, dans 10 ans, dans 20 ans, vont décider. C'est pas nous. I come here every day because I know that we can make a difference. And if anyone here who's been to the field and seen what our colleagues do for vulnerable children knows that it makes sense to get up every morning. I think that it's the responsibility of all of us to do something, to give children the possibility to grow and develop as they should, as children. Les ONG, comme Terre des Hommes, sont des intermédiaires entre l'envie de contribuer à une amélioration du monde et la capacité de le réaliser sur le terrain. Donc chaque aide, chaque franc qui nous est confié par une personne, par le grand public, nous aide à réaliser cette mission. تعبون أعمار مخصصة المنظمة من 13 ل 17 وفرون صحيات علمونا عن النظافة تمنى نرجع لقريتنا ونحب أصير مهندس. Regardless of what children have gone through, children still have a future. And of course, you might have talked to some children. They said to you, they will say to you, oh, me, I want to be a doctor. Me, I want to be an engineer. They need to have the safe place. They need to have the environment where they can be able to get this opportunity. Every child in the world has a right to a childhood. It's that simple.